Succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Albert Schweitzer. Je regarde mes stats de sommeil sur Oura Ring et cette nuit, j'ai dormi d'une traite. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je n'ai pas fait de haul course bio. J'ai commandé sur La Fourche qui sponsorise le weekly vlog d'aujourd'hui et donc ils ont réactivé mon code promo. Je vous en parle juste après vous avoir montré les produits que j'ai choisis. Il y a des produits très particuliers, j'ai trop hâte de cuisiner avec. Tous les produits alimentaires que je vais vous montrer sont labellisés bio selon le cahier des charges européen. Et les produits de beauté, parce que oui, il y a également de la beauté sur La Fourche. Et également les produits d'entretien pour la maison par exemple sont labellisés pour la plupart du temps Cosmos Natural ou Organique ou EcoCert Eco-Détergent. J'ai pris un lait de coco à cuisiner parce que j'en ai assez de ces laits de coco qui sont trop sucrés. Donc la grande quantité parce que je m'en sers tout le temps. Au floral à la lavande officinale, c'est la marque La Fourche. Ils ont leur propre marque aussi sur leur site. La lavande, je vais m'en servir avant de dormir parce que ça a des propriétés hyper apaisantes et ça favorise l'endormissement. En spray, vous savez, comme ça, juste avant de mettre mon sérum de nuit. Prends vraiment au hasard. Ah, j'ai pris plein de thé. Tiens, pour rester dans la même catégorie, j'ai pris une tisane bonne nuit à la camomille. Alors ça, c'est le préféré de William, thé vert menthe. Tisane digestion sereine au curcuma avec du fenouil. Trop sympa. À prendre 15-20 minutes après le repas pour éviter de diluer les enzymes digestives, mais excellent tout de même. Surtout pas de thé après le repas, attention, hein, pour garder le fer que vous avez consommé. Oui, je suis gourmande et j'adore les bonbons qui piquent. Et alors là, j'ai trouvé une marque qui s'appelle Nut Guilty. Ce sont des bonbons vegan. Goût acidulé, framboise et pamplemousse, bio, organique et vegan. Crème de coco pour aller avec le lait. Chair de tomate, bio évidemment, comme tous les produits, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Je m'en sers tout le temps et déjà, premier plat qui me vient comme ça, mon chili sin carne. Alors ça, c'est juste pour moi parce que William déteste de la tapenade noire. L'olive, c'est hyper clivant. Soit on adore, soit on déteste. Moi, j'aime trop l'olive. J'ai pris également de l'eau florale, cette fois pour le matin. Rose de Damas, qui cette fois est tonifiante, une purée 100% amande complète pour mettre dans des smoothies ou même à tartiner comme ça. Voilà pour le premier sac, passons au deuxième. Comme vous le voyez, La Fourche a pour but de démocratiser une alimentation plus responsable et encourager à consommer mieux, à consommer bio, mais à des prix qui sont raisonnables. Et comment ils arrivent à faire ça? Eh bien, en réduisant les intermédiaires et en mettant en place un système d'adhésion. Et vous allez voir que lorsque vous faites votre panier, il y a un comparatif et vous voyez combien vous avez économisé par rapport à un magasin bio normal, quoi. Ce système permet donc de réduire les marges et de proposer des bons prix sur tous les produits. De la sauce soja traditionnelle, sans gluten, vegan, équitable. Souvent, il y a plein de gluten dans la sauce soja parce qu'il y a du blé. Donc, je me suis dit, ah, sympa. Du kombucha parce que William
Michel m'a dit qu'il voulait tester le kombucha. Qui est cet homme? Donc j'ai pris du kombucha citron et gingembre. C'est bon pour le microbiote parce que c'est une boisson fermentée. C'est une boisson qui est légèrement pétillante. Donc vous voyez, ils ont des trucs que tu trouves vraiment pas partout, quoi. Du vinaigre balsamique, parce que ça j'adore. Du savon liquide pour la vaisselle. Verveine exotique aux notes citronnées. Prenons quelque chose d'un peu meilleur pour la planète et pour notre peau également. Deuxième chair de tomate. De la sauce sweet chili. J'adore ça. Et enfin, de la marque La Fourche, parce que ça je le bois tous les matins. Lait de riz. Mon code promo, c'est Sleeping20 qui est à nouveau actif et qui vous offre une réduction de 20€ sur l'adhésion. Elle passe donc de 59,90€ à 39,90€ pour toute l'année. Donc comment ça fonctionne? Vous entrez le code promo juste après vous être inscrit et avoir souscrit à l'adhésion. Vous ne payez rien et vous profitez d'un essai de 30 jours gratuit que vous pouvez résilier à tout moment. Vraiment, il n'y a pas de... vous êtes bloqué, non, pas du tout. Je vous laisse le lien dans la barre d'informations et je vous répéterai les étapes et surtout où insérer le code promo. Comme ça, vous savez tout. Je salive. Trop bon. On va aller faire dodo. Tu viens faire dodo? La dernière fois, j'ai vu une recommandation sur la story de Peau-Neuve. C'est un compte Instagram que j'aime trop, qui donne plein de bons conseils et franchement, je vous invite à le suivre. Je sais pas qui est la personne derrière. Et la dernière fois, j'ai screené parce que dans sa story, elle recommandait le sérum contour des yeux Aromazone comme étant celui qui fonctionnait le mieux pour les cernes foncées. Donc, je suis allée chez Aromazone la semaine dernière. Ça fait, je sais pas, je dirais 5 jours que je l'utilise. Je vois aucune différence. Ne vous attendez pas à waouh, miracle. Non, il n'y a strictement aucune différence. Mais un produit, ça peut pas te faire une différence considérable en moins d'une semaine, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit qui est à base de huile d'immortel. Et l'immortel, c'est formidable pour notamment les rides, les ridules. Donc c'est toujours très très bien de le mettre en contour de l'œil. Après, de là à ce que ça enlève le côté foncé du cerne, je ne sais pas. Parce que souvent c'est dû à un creux ou pour ma part j'ai la peau très très fine, donc on voit les petites veines etc. Même si je dors, j'ai des cernes. Et il y a également de la caféine dedans. Et plus le fait que ce soit en roll-on, ça décongestionne. Donc pour les poches, pourquoi pas. Moi j'ai pas trop de poches, mais bon, voilà. Mais je vous dis ça surtout pour vous demander si vous, vous l'avez utilisé. Parce qu'en fait, quand j'y suis allée, je lui ai demandé si c'était un nouveau produit. Et elle m'a dit non, mais il est tout le temps en rupture de stock. Donc forcément, je le voulais encore plus. Donc dites-moi si vous l'utilisez depuis longtemps, si vous voyez vraiment une différence sur le bleu un peu grisé, violacé du cerne. Dites-moi ça. Parfait. Merci beaucoup pour la dégustation. Merci. Bon appétit, mon petit. Merci. J'ai enfin reçu un colis que j'ai commandé il y a peut-être 2 semaines, mais en fait je viens de voir qu'il vient du Canada. C'est l'une d'entre vous qui m'avait recommandé cette marque. J'ai quand même payé 18€ de taxes. Ce sont des boucles d'oreilles en clips. Ouais, je sais. Je suis encore dans ma période de clips. C'est bien présenté, c'est mignon. J'ai pris des petits anneaux. Il y a un truc comme ça qui fait que ça doit pas faire mal. Et ensuite, tu resserres en fonction de ton lobe. Cute! Mignon, discret, sympa. Je les sens pas du tout. Ça fait 1000 fois moins mal que les clairs que j'avais achetés. Écoutez, j'aime beaucoup. Le deuxième modèle, c'était mes préférés. C'était des petites boules comme ça, dorées.
Je l'ai trouvée trop mignonne. Et voilà, très sympa, j'aime beaucoup. Désolée pour ce son, mon micro n'était pas branché jusqu'au bout, il n'était pas enclenché, donc on a eu le son de la caméra qui était mauvais. Là, ça va mieux normalement. J'ai envie de lancer un concept, c'est que dans chaque weekly vlog, je réponde à une question un peu profonde, un peu philosophique que vous m'auriez posée dans les commentaires du vlog précédent. Là, j'ai lancé une Q&A sur Instagram et j'ai reçu de très très bonnes questions. Et je me suis dit, au lieu de faire un TikTok qui est sympa, hein, franchement j'adore me poser avec vous, mais pourquoi pas avoir ce côté un petit peu chit-chat, talk, etc. dans un vlog et répondre à une question seulement. On pourrait appeler ça... la question du vlog, voilà, je n'ai pas de titre plus accrocheur. Si vous en avez, n'hésitez pas, mais comme ça, vous pouvez me laisser dans les commentaires la question du vlog, deux points, et vous me dites le thème que vous aimeriez que j'aborde dans le prochain vlog. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Que penses-tu de la loi de l'attraction? Vaste sujet dont on entend parler énormément en ce moment. Je ne suis pas d'accord avec tout, donc je voulais partager avec vous mon point de vue. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, comme ça, on échange chaque semaine sur le sujet à aborder. Je pense qu'on ne peut pas aborder la loi de l'attraction sans parler du champ vibratoire. On est tous entourés d'un champ vibratoire particulier qui nous est propre. D'ailleurs, certaines personnes, quand tu les rencontres, sans même qu'elles aient ouvert la bouche, tu te dis d'instinct, celle-là, je la sens pas. Ça peut totalement être un préjugé parce qu'il y a quelque chose dans ton physique qui renvoie quelque chose en toi, mais ça peut aussi être qu'elle vibre à une fréquence qui ne correspond pas à la tienne. Et ça m'est arrivé tant de fois. Ce champ vibratoire est déterminé principalement par nos pensées. Ce que je vais dire est assez clivant parce que c'est vrai que les gens n'aiment pas se définir par leurs pensées. Or, je suis convaincue que tu deviens peu à peu ce à quoi tu penses. Ce que tu penses de toi, tu le deviens peu à peu. Je pense que nous devenons ce que nous pensons parce que nous agissons en conséquence. Par exemple, si tu n'étais pas très à l'aise avec les adultes lorsque tu étais petit et que tes parents ont rabâché « Ah, elle est timide, ne le prenez pas mal, c'est qu'elle est timide, elle est très timide » et que vous avez entendu ça toute votre enfance, vous allez croire que vous êtes une personne timide alors que vous étiez juste réservé ou que vous n'aviez pas du tout envie de parler à ces personnes-là et ça vous a inculqué en vous la pensée que vous êtes timide et donc vous vous identifiez à cela. C'est pour ça que la pensée est super super importante et qu'il faut lui accorder le pouvoir qu'elle représente vraiment. Comment ça a fonctionné sur moi, c'est que à l'origine je suis pas de nature très organisée, c'est pas quelque chose qui est ancré en moi depuis toute petite où je rangeais ma chambre, où j'organisais tous mes jouets, pas du tout, j'étais plutôt un peu chaotique, je jouais, je rangeais pas vraiment. Et d'ailleurs, on m'a toujours dit que j'étais pas très organisée. Jusqu'au jour où j'ai eu la nécessité absolue de devenir organisée parce que j'avais des examens à préparer, que je voulais des bonnes notes et donc que je devais organiser un planning de révision. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me mettre dans la tête que, ok, grâce à ces processus, je peux devenir une personne organisée. Le fait de changer son identité est quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est en changeant tes habitudes quotidiennes que tu changes ton identité peu à peu. Ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, vous parlez de mon organisation, etc. Et c'est là que vous m'avez dit, Marie, t'es une personne tellement organisée, comment tu fais pour être organisée? Et là, ça m'a fait beaucoup rire parce que je partais d'une nature soi-disant désorganisée. Comme quoi, vous voyez, le fait de penser et de mettre en place les actions et les processus peuvent complètement changer notre identité. Voilà ce petit aparté sur les pensées, le pouvoir de la pensée et comment nos pensées nous déterminent. Et c'est là que je viens à mon deuxième point, qui est que la loi de l'attraction commence par définir clairement ce que nous voulons. Et là, je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui se disent « Mais moi, j'aimerais être heureuse et gagner plus d'argent. » Mais en fait, c'est pas clair dans leur tête. Qu'est-ce que ça veut dire être heureuse pour toi? Définis clairement. Est-ce que tu veux vivre à New York dans une ambiance ville complètement dans l'effervescence comme ça? Ou est-ce que être heureux pour toi, c'est vivre dans une petite maison à la campagne? On a chacun notre notion du bonheur qui est complètement différente. Et si tu ne définis pas clairement ce que tu veux, tu ne pourras pas l'obtenir parce que tu n'auras pas lancé cette énergie et tu ne vibreras pas de cette énergie précise. Pareil pour gagner plus d'argent. Combien plus, tu vois? Est-ce que tu veux gagner 100 euros de plus par mois ou est-ce que tu veux gagner 1000 euros de plus par mois? C'est pas du tout la même chose et tu ne vibreras pas de la même manière. La plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas l'obtenir. Si tu sais pas clairement ce vers quoi
du temps, comment veux-tu mettre en place les actions justement pour y parvenir. Donc définis clairement tes objectifs, c'est super super important. Troisième chose, il faut être persuadé que l'on est capable d'atteindre ses objectifs. Souvent, on fait face à de l'auto-sabotage parce qu'on a cette petite voix dans notre tête qui nous dit, mettons dans l'absolu, on va reprendre l'exemple de l'argent parce que c'est un exemple qui revient très très souvent. Dans l'absolu, tu te dis que tu as envie de gagner ce fameux plus d'argent, à toi de le définir combien. Mais si ta petite voix dans ta tête te dit, ok ouais j'aimerais ça mais au fond je sais pas si j'en serais vraiment capable parce que j'ai pas l'impression d'avoir les compétences pour prétendre à une augmentation. La peur et le doute feront toujours barrière avec nos rêves. On parle bien de rêves enfouis parce qu'ils sont derrière la barrière occlusive de nos doutes et de nos peurs. Et on revient au premier point, tu ne vibres pas la bonne fréquence parce que tu vibres la fréquence de la peur et du doute qui sont des fréquences basses. Alors que si tu es persuadé que tu peux y arriver, que tu vas y arriver, tu le sens, c'est en toi, tu la visualises, on revient à ce mot-là, là tu vibres plus haut, même si tu ne l'as pas encore atteint. On revient à l'importance des pensées. Il y a un petit exercice que je peux vous proposer pour réussir à se convaincre si vous avez du mal avec ça, si vous êtes emprunt au doute et que c'est votre petite voix qui prend le dessus sur vous. Prenez un carnet, ça peut être votre carnet de visualisation. Il y a un exercice qui est extrêmement puissant, c'est d'écrire au passé et de raconter l'expérience que vous avez vécue, comment vous avez atteint ce rêve-là et surtout comment vous vous êtes senti. Parce que le fait d'écrire votre ressenti après avoir atteint votre rêve, ça va vous faire vibrer plus haut, rien que le temps de l'écriture. Donc si vous faites ça au moins une fois par jour, tous les jours vous allez vibrer un petit peu plus haut grâce à cette visualisation. Mettons que vous ne soyez pas bien dans votre travail et que vous vouliez être embauché dans une autre société, dans un autre travail. Vous allez écrire, il vous faut une date précise. À quelle date vous visualisez-vous dans ce nouveau travail? Donc mettons que vous écrivez à plus 6 mois. Donc vous écrivez la date vraiment, 31 juillet 2024. Je suis dans mon nouveau travail, quelle délivrance. Je me sens tellement bien, tellement épanouie. J'ai des collègues qui me hissent vers le haut, qui m'encouragent. J'ai un responsable qui me respecte, qui me salue tous les jours. Il y a une ambiance extrêmement positive dans les bureaux. Je me lève le matin en étant excitée à l'idée d'aller travailler et de retrouver ces gens. Quel bonheur d'avoir réussi à franchir ce cap, à vaincre ma peur. Je suis tellement reconnaissante envers moi-même d'avoir réussi à faire ça. Je suis dans une petite bulle de bonheur et d'énergie positive. Et ensuite, deuxième exercice très important, toujours pour ce même rêve, vous décrivez votre journée idéale. Le matin, je me réveille, je fais une séance de sport de 15 minutes. Ensuite, je vais prendre ma douche. Je vais au travail en vélo, je sais pas. J'arrive, voilà ce qui se passe quand j'arrive, voilà le déroulé de ma journée. Et vous écrivez vraiment comme si vous étiez en train de vivre ça. Vous devez incarner votre rêve. C'est ça la visualisation. C'est pas prier dans votre lit tous les soirs, mon Dieu, faites que ça arrive. Non, vous devez vraiment l'incarner, le visualiser, le vivre comme si vous le viviez déjà. Et d'ailleurs, dernier point qui est très important, dans attraction, les 6 dernières lettres forment le mot action. La loi de l'attraction ou la visualisation ne sont rien sans la loi de l'action. C'est une très très bonne première étape de se mettre dans l'énergie et d'incarner ce changement, d'incarner ce rêve. C'est formidable parce que ça change votre fréquence vibratoire. Rappelez-vous de ce qu'on disait au début. Maintenant, il faut mettre les actions en place. Il faut ce plan d'action. Loi de l'attraction. Action, action, action. Rien n'arrive comme par magie. J'adorerais une petite maison dans la campagne. Non. Quel est ton plan d'action pour arriver à cela? On n'a rien sans rien. Il faut un plan clair et détaillé. Donc, pour résumer un petit peu ce que je pense de la loi de l'attraction, premièrement, définissez ce que vous voulez vraiment. Il ne suffit pas de vouloir être heureux ou gagner plus d'argent. Quantifiez, définissez. Deuxièmement, soyez-en convaincus. Avant d'atteindre votre rêve, vous devez combattre vos doutes et vos peurs et vous devez franchir cette barrière occlusive. Vous devez être tellement convaincu que vous en êtes capable que la petite voix dans votre tête ne vous dit plus « et si j'y arrivais pas ? Mais est-ce que je le mérite vraiment ? Mais est-ce que... » Elle vous dit « tu vas y arriver, je crois en toi, je suis sûre qu'on peut le faire, on va y arriver. » Cela nous permet donc
d'augmenter notre fréquence vibratoire et de vibrer un peu plus proche de la fréquence de notre rêve. Et troisièmement, l'action. Un plan d'action clair, défini, détaillé, qui va nous permettre d'agir en conséquence, d'agir pour réussir, d'agir pour atteindre ce rêve. Exercice de la visualisation à plus 6 mois, plus 1 an. Vous vous imaginez en train de vivre ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. Et l'exercice aussi de la journée idéale, comme si vous étiez en train de la vivre vraiment. Voilà ce que je pense de la loi de l'attraction. Et n'hésitez pas à inscrire dans les commentaires question pour le blog, je sais pas si on va trouver un meilleur titre, avec votre idée de question, votre thème pour le prochain vlog, pour qu'on puisse en discuter dans ma chambre. Deuxième étape, une petite coupe. Bon, tu es trop mignonne. Alors, comme vous pouvez peut-être constater, Poppy a été bien brossée. Elle est toute fluffy comme ça. Et maintenant, nous allons passer à la coupe. Parce que mon toiletteur est en vacances et que madame a bien besoin d'y voir quelque chose parce que là, là elle ne voit plus. Donc, je ne vais pas faire le corps, je vais attendre qu'il rentre et rentre le 5. En revanche, je vais faire la tête, c'est ce que je fais d'habitude. Hein. Je fais la tête, il fait le corps parce que je n'aime pas trop la coupe un peu académique du caniche, dirons-nous, la coupe traditionnelle. C'est pas trop mon truc avec le nez rasé, etc. Je vais raccourcir légèrement les oreilles. Je vais couper légèrement le haut de la tête. Et je vais couper là pour qu'on voit mieux ses yeux. Et je vais relever sa barbiche pour qu'elle soit plus en mode joyeuse. Parce que quand ça retombe comme ça, on peut se dire qu'elle fait un peu la tête. Donc on va commencer comme ça. Et ce sont des ciseaux de toiletteur. J'avais acheté un kit sur Amazon. Je vous le mettrai dans la barre d'informations si ça vous intéresse. C'est une petite trousse dans laquelle il y a plusieurs ciseaux, etc. Ce qui est bien avec Poppy, c'est que c'est une princesse. Elle ne bouge pas. Est-ce que vous vous rendez compte que tous ces poils-là, c'est uniquement la tête? On dirait vraiment un petit nuage. Regardez cette petite beauté! On voit ses yeux à nouveau! On voit ses petits yeux! Mais t'es trop mignonne! J'adore sa petite tête toute ronde ici. Elle a cru que je disais tourne. T'es vraiment une petite gourmande, toi. Tu veux encore un petit gâteau? Encore un? Mais c'est pas possible! Check! Oui, tiens. Miam! Il était bon le petit gâteau? Oh, il était bon le petit gâteau! T'es trop mignonne, toi! Tu veux jouer maintenant? Il est où ton petit joujou? Tu me le donnes. Il n'y a rien qui puisse rivaliser avec l'odeur du linge frais. C'est ma petite Madeleine de Proust. T'as écouté le dernier sans permission? Ouais, pourquoi? Le tout dernier? Interactif. Tu sais qu'il y a Charles qui est passé dedans, mon setter manager. C'était lequel? La méthode Wim Hof, le froid. Ah, alors je vais goûter en entier. Tu veux des chaussettes? Je veux bien des chaussettes marron, s'il te plaît. Non, c'était quoi sa question? Je sais pas, j'attends, je suis en train d'écouter, là j'attends de voir son passage. Il te l'avait dit ou pas? Je ne sais pas. Thank you.
délicieux. Nous sommes le 2 février, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papa et mes parents viennent à Lyon. Alors là, ils sont actuellement bloqués sur l'autoroute depuis 10h30, il est midi et demi, par un barrage. Voilà. Il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi tu montres jamais ton papa? Eh bien, sachez qu'il y a des gens qui veulent pas spécialement apparaître sur YouTube. Je pense qu'il faut respecter ça, il faut aussi le comprendre. Mon père me soutient à fond, il est très fier de ce que je fais et pour autant, il veut pas spécialement participer à mes vidéos comme maman pourrait le faire. Donc, on va boire ce petit smoothie en attendant qu'ils arrivent. Donc hier, c'était l'anniversaire de mon père. Nous sommes allés dîner chez Antolio. Je vous recommande vivement ce restaurant. On y va souvent avec William et à chaque fois, on prend exactement la même chose. En entrée, champignons scaramozza. Ensuite, je prends les linguines à la vongole et un dessert pas tout le temps, mais le crumble, il est quand même sympa. Un peu sucré, mais quand même bon. On a fait son anniversaire là-bas, c'était très chouette, on a bien rigolé. Ensuite, on est rentré à la maison pour lui offrir ses cadeaux. Il a adoré, donc j'étais ravie. Et aujourd'hui, nous allons faire une activité particulière. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. Nous allons faire un cours de cuisine thaï avec le cuisinier du restaurant Rivière Kouai, auquel on va très régulièrement aussi avec William. Ils font des cours de cuisine. On va faire la petite soupe rouge que je prends très très régulièrement et également un vrai pad thaï. Et ce qui va être très amusant, c'est que ni mon père ni William ne savent cuisiner. C'est pour les cours de cuisine, madame? Oui, madame. Regarde, c'est ça. Bonjour. 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 Wow. Bonjour. Je peux mettre ça quelque part? Bon les amis, nous sommes arrivés au cours de cuisine thaï. Nous allons faire deux choses maintenant. Soupe de crevettes et la citronnelle. La soupe tamien. La tom yam kong. Voilà. Et deuxième, un pad thaï. Il n'y a pas encore la recette. Mais elle va arriver un petit peu plus tard. Je vous laisse là parce qu'elle voulait bien manger ça, donc je vous laisse. Ah. Ça va arriver, oui. Mais vous les pouvez pas voir. Avec ce couteau-là, par exemple. Ah. Ils sont propres, tout à l'heure. Comme ça. Non. Ça, moi, c'est juste. Ouais, je pense. Ah, vous l'arrachez à la main. Ouais. Ok, très bon. Comme ça. Ils sont propres. Et l'autre, là, champignon de Paris. Oui, champignon de Paris, par exemple. Encore. Ok. On ne coupe pas trop petit parce qu'après, avec la chaleur, voilà. Ce qu'il y a dessus qui est facile à enlever, parce que quand on enlève la carapace, on tire un peu et ça part. Ah, ça, vous l'ouvrez carrément. Voilà. Ah, ok, voilà. Vous l'ouvrez. Comme ça, quand elle est cuite, ça ouvre comme papillon. C'est joli aussi, on peut s'en passer. Donc, ça, c'est bouillon de volaille. C'est déjà 50 ml. Voilà. Et après, on va mettre sous le feu. Pour mijoter tout le produit. Là, c'est le jus de citron d'avant. J'ai ajouté. Merci. Ça, c'est bien pour saler. Gnocchmam. Oui, ça, c'est le poisson. Donc, citron et gnocchmam. Oui, t'as vu. Et ça, c'est au dernier moment. Oui. Ah, ouais. Ok. On y va? On y va, oui, c'est bien. Ok. 1 litre. Ah. Il a dit 2 bols. Même quand elle boule, après, elle ne s'en va pas. Wow, c'est trop bon. On ajoute le lait de coco à la fin. L'envie de la soupe, c'est léger. Donc, il ne faut pas trop mettre le lait de coco. Ouais. Voilà. Après, c'est lourd. Et là, il ne faut pas trop laisser le feu fort parce que ça part tout le parfum de lait de coco. C'est important aussi. Donc, maintenant, c'est la fin. Une ou deux minutes, ça suffit. Une ou deux minutes pour les légumes. Ouais. Pour que ça soit un peu croquant encore. Oui. Hein. Hésitez avec. Ouais, ouais. Merci. C'est pas pareil, elle est top. Hein. Ça me dit. Ah. Deuxième étape, le pad thaï. Ça, c'est vermicellerie. Ok. Vous trempez dans l'eau tiède. Tiède? Ah, ok. Tiède. Maintenant, 10 minutes. 10 minutes, ça sort comme ça.
Très bien. Vous pouvez être touché. Il n'est pas... Non, pas cuit encore. Non. Après, on a besoin de tofu. Mm-hmm. On va couper un petit morceau. C'est du tofu ferme, du tofu ferme, oui. Le tofu, vous là, coupez vous l'avez la déjà fait frire. Oui. L'huile de colza ou l'huile de tournesol. D'accord. Ok. Comment c'est tofu ou c'est poulet? Tofu, c'est toujours tofu ah, dans la pâte. Oui. Tofu. Mais okay. Après, avec le pad thai, on peut faire avec poulet, en avec plus les crevettes. Avec, okay. Ouais. Mais toujours en plus, il y aura quand même le tofu. C'est toujours okay, tofu. Okay, et okay. Après, si végétarien, on oui. Fait avec les légumes, avec les champignons. Avec, d'accord. Ça, c'est de l'ail? De l'ail. Le persil chinois. Le persil chinois. Voilà, on jette, on coupe 3 cm, comme ça. Vous pouvez maintenant vous éplucher et on va couper l'échalote ensemble. Sucre de pomme, pâte de tamarin. Ok. Saut de poisson. Ok. Et de l'eau. Oui. D'accord. Ça. Eau froide? Oui. C'est tout. Il n'y a pas de soja? Non. Non. C'est tout. Ça. Et c'est quoi les proportions? Voilà. D'accord. Ok. Donc ça c'est fait assez sucré. Un peu épaisse hein, finalement. Ouais. Comme un peu caramélisé. Ouais, c'est ça. Ça. Et ça doit être le sucre de palme qui fait ça. Tu ouais. Vois. C'est ça, très bien. Il y a un ordre très précis pour réaliser le pad thai. Dans une poêle avec de l'huile de tournesol, on va faire revenir une petite minute échalotes, ail, tofu et cacahuètes. On ajoute les nouilles avec quelques cuillères d'eau, pas beaucoup. Et ensuite, on remélange. On ajoute ensuite la fameuse sauce pad thai qui était inscrite sur le tableau, ainsi que de la sauce soja foncée, très important, qui est un petit peu plus amère et ça permet de colorer. Et ensuite, il m'a montré les étapes pour que je reproduise par moi-même parce que c'est vraiment différent d'observer et de faire soi-même. Et j'ai adoré. C'était pas si simple de se rappeler de tout, alors c'est bien de pouvoir le faire. Je mets les petites germes de soja à la fin. C'est quoi le geste pour mélanger les nouilles? En rond. Ok. On ramène au milieu et ensuite en rond. Ok. On ramène au milieu, comme ça, et ensuite en rond. Voilà, et on tourne. Et on tourne en rond comme ça. On n'oublie pas le persil chinois pour terminer. Et voilà, le pad thai est déjà prêt, ça se fait hyper, hyper rapidement. Et ensuite, on peut aller acheter tous les ingrédients chez Bangrak Market qui est juste en face. J'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous.